Plusieurs personnes aujourd'hui doutent de Dieu. Plusieurs personnes aujourd'hui disent que l'Éternel Dieu n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore pris le temps de demeurer dans la présence de l'Éternel, de prier l'Éternel Dieu comme il faut, afin que l'Éternel Dieu puisse les saucer et qu'ils puissent palper à la gloire de l'Éternel. Pourquoi nous devons prier? Pour ne pas tomber dans la tentation. La Bible dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Mais non, mais qui tente? C'est Satan. Et lorsque Satan te tente, tu tombes dans le péché. Ça veut dire, si Dieu t'a dit de veiller et de prier, c'est pour que tu ne puisses pas tomber dans le péché. Pourquoi nous devons prier? Pour se rapprocher de Dieu. La prière fait que nous puissions tisser une relation avec Dieu. Pourquoi nous devons encore prier? Parce que la Bible dit, prier sans cesse. Ça, c'est l'ordre que l'Éternel Dieu nous a donné. Nous devons prier parce que la prière nous protège de Satan et ses œuvres. Tu dormiras en paix. Tu te réveilleras en paix parce que tu sais que l'Éternel Dieu est ton protecteur. Un chrétien qui n'aime pas prier, c'est un chrétien qui ne veut pas aller loin avec Dieu. C'est un chrétien qui n'aime pas sa vie. Si tu aimes ta vie, bien-aimé, tu vas commencer à prier, afin que l'Éternel Dieu fasse quelque chose